un niveau où je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que je peux vivre une vie de merde comme ça dans mon propre pays. Et ce que je vois tous les jours, là, je rencontre quand je sors là, je ne sais pas. Il y a tellement de situations. Il faut sortir, il faut marcher. Vraiment, il faut parler même avec les gens pour comprendre comment nous, les Congolais, les jeunes, en plus, la majorité, ce sont des jeunes qui ont honte de souffrir, qui passent par les épreuves vraiment très difficiles. Tu cherches un moyen pour avoir un boulot, tu n'as pas. Même un petit stage là, pour donner, c'est difficile. Difficilement. Seulement, ils ont des magouilles là-bas. Et quand tu cherches à ce que tu puisses avoir au moins l'opportunité que l'arrêté puisse sortir, non, tu n'en as pas. Et les gens qui sont à l'intérieur là-bas, des vrais escrocs, ils sont là à bouffer de l'argent des gens. Tu viens là, oh non, si tu veux que ton dossier sorte rapidement, non, tu dois donner 500 000. Tu donnes d'abord l'avance 250 000 et le reste, on verra plus tard. Dans le temps, je suis... Il te bouffe l'argent, il te fait traîner. Oh non, quand tu vas suivre le dossier, viens, tu donnes un petit 10 000. Tu viens là, tu donnes pour le déplacement, un peu pour le motiver et tout, mais tu attends pendant des années. Non, ça sort jamais. Ça ne sort pas. Donc, tu dois dormir même avec Dieu lui-même là pour que l'arrêté puisse sortir. Et tu décides enfin de pouvoir partir dans l'armée. Parce que c'est le seul moyen en ce moment pour avoir l'arrêté beaucoup plus facilement. Tu décides, et on nous tue, on dirait les rats de laboratoire. On nous tue, au moins Dieu a confondu la personne qui a pu diriger quelque chose. Il est décédé, crise cardiaque. Ça l'apprendra de pouvoir savoir que non, là où il est là, dans la vie, tout se paye ici-bas. Et quand tu décides de pouvoir aller vendre au marché, on chasse tout le monde. Attends, ça fait des années. Tout simplement que non, la raison que non, la propriété dans la ville et tout, des menteurs comme ça, des escrocs. Vous êtes là, vous décaissez de l'argent, des milliards là-bas, le Congo n'a pas l'argent, le Congo, il y a la galère, la crise, alors que non, vous partez jeter de l'argent en boîte là-bas. Vous partez jeter de l'argent chez les femmes, vous construisez les maisons bêtement là pour les petites macangou là. Les gens qui me disent, écoutez, ne me dites là, comme ça, ne distraire. Bon, nous avons fait très attention, tu as la famille au pays, nous sommes habitués, même si nous avons une petite famille, c'est à eux de voir, on s'en fout. Une famille, donc, il y a une fois, d'abord, dans le stade, parce que Niama, les gens ont fait très attention de tout ce que tu dis. Tu as la famille au Congo Brazzaville. C'est à cause de la peur qu'on n'arrive pas à avancer, qu'on n'arrive pas à affronter des choses comme telles. C'est à cause de la peur. Vous avez peur de quoi? Mais nous allons dans Bomaïki.